Vidéo pédagogique, le sexisme, viser la lune, Anne-Fleur Multon. Salut les petits sorciers! Aujourd'hui, on va parler d'un des thèmes centraux du roman Viser la lune. J'ai nommé le sexisme. Qu'est-ce que le sexisme? Sexisme, attitude discriminatoire adoptée envers le sexe opposé. Rappelez-vous, dans le roman Viser la lune, qui raconte nos aventures, mon ami Itai a failli ne pas participer au tournoi mondial de League of Legends, puisque l'organisateur considérait qu'une fille ne pouvait pas être à la hauteur des garçons. Ça, les filles, c'est du sexisme. Dans la société française, les femmes ont commencé à être considérées autrement que comme des meubles en 1791 grâce à Olympe de Gouges, qui rédige la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Elle disait par exemple « L'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de la femme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements. » Autrement dit, si la société va mal, c'est parce qu'on ne considère pas la femme comme une personne. Et malheureusement, sur ce sujet, les choses évoluent très lentement. En 1850, on crée des écoles pour les filles. Dès 1876, le droit de vote sera demandé par les femmes, mais ne sera finalement accordé qu'en 1944. Jusque-là, une femme n'avait finalement pas plus de pouvoir qu'une table basse. Sympa, n'est-ce pas? Une femme toutefois jouera un rôle primordial dans ce combat acharné, Simone de Beauvoir. Elle écrira en 1949 « Le deuxième sexe », dans lequel elle revendique l'égalité entre les femmes et les hommes, et elle fondera en 1974 la Ligue des droits de la femme pour lutter contre les violences faites aux femmes. Une femme comme on aimerait en croiser souvent, donc. Mais il reste encore beaucoup de choses à faire. Dans le monde du travail, par exemple, les femmes n'ont toujours pas accès à tous les postes et touchent en général 23% de moins que les hommes à diplômes et postes équivalents. Alors garçons et filles, battons-nous. Et comme disait Oscar Wilde, « Visez la lune, car même en cas d'échec, on atterrit dans les étoiles. » Allez, je dois finir mon exposé. Je vous laisse et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Retrouvez toutes les vidéos, quiz et bandes-annonces sur notre chaîne Pulp Fiction.